Le championnat de France mini-VR, c'est vraiment une étape importante de la vie d'un pilote parce que c'est la première grande étape de sa carrière. Les catégories, il y a du 65 cm3, ils sont âgés de 8 à 11 ans, et les 85 cm3 qui sont âgés de 9 à 12 ans. Tout grand champion français est passé par là. Voilà, c'est vraiment une référence quand on est jeune parce que évidemment on commence par les championnats de ligue. Là, on se confronte à tous les autres pilotes du championnat national. C'est vraiment une bonne école pour bien progresser. On est tous passés par là. Je pense que c'est vraiment très important pour la suite d'une carrière et pour la progression des pilotes. Je me rappelle à l'époque, on se retrouvait tous avec Musquin, Soub, Bellino, on était tous au mini-VR et Chris Pourcel aussi. Et voilà, on languissait le week-end d'aller retrouver les copains et de passer des week-ends de folie. Et c'est un très beau championnat. Fédération, je m'occupe de la détection 65, c'est vraiment la première marche. On construit les jeunes, on essaye de les accompagner du mieux possible pour après essayer de devenir de grands champions. Je fais partie du championnat mini-VR pour progresser, puis en plus je retrouve tous mes copains, puis j'aimerais bien faire aussi comme mon père, il l'a fait, champion du monde, champion mini-VR. Le mini-VR c'est cool, si on veut être champion du monde, il faut passer par là, du moment qu'on s'amuse, ça va.